Salut tout le monde, alors dans cette vidéo on va parler d'un produit qu'on va tester et comparer. On va tout de suite passer au déballage, c'est parti. Je ne vous cache pas que d'ouvrir un carton à une main en tenant le téléphone, ce n'est pas pratique. Oui, je sais, il existe des supports pour tenir les téléphones. Ça sera fait pour la présentation du micro. Donc voilà le bras, le Recording Microphone Stand, donc une version professionnelle. Il est plutôt bien avec un support d'attache, bien sûr, pour le fixer partout, et le bras en soie, de couleur rouge. Ouais, c'est la petite touche spéciale que j'aime bien. Donc là, on passe directement au micro, le SC440, que, entre parenthèses, je n'ai pas payé 51€, mais 58€. Bon, la facture, on s'en fout, on peut l'enlever. Donc voilà le micro dans une petite mallette vraiment bien faite, professionnelle. On sent vraiment la qualité, c'est vraiment super. Bon là, un petit papier, là, j'imagine c'est pour les caractéristiques. Hein, recto verso identique. Hein, je jetterai un œil plus profondément là-dessus quand j'aurai le temps. Donc, on commence tout de suite par le câble qui fait à peu près 3 mètres, qui est largement suffisamment, excusez-moi, long pour tout brancher en USB. Le support micro avec les élastiques pour empêcher les vibrations, celui-là, c'est vraiment nickel. Et bien sûr, le micro. Franchement, il est vraiment beau, il est pour le prix, j'étais vraiment très très satisfait et je vous le conseille fortement. Donc là, j'imagine que peu importe le sens, on peut le mettre dedans. Donc moi, j'ai choisi de mettre la vis du côté droit, puisque je suis droitier. Voilà. Et si des personnes se demandent si le micro est compatible sur Windows 10, bien sûr qu'il est, puisque moi-même, je tourne sur Windows 10, je vous mettrai dans la description le lien du driver. Ne vous inquiétez pas. Alors comme tu peux t'en rendre compte, je suis comme un dingue, je vais enfin pouvoir faire des vidéos de qualité avec du bon son et on va tout de suite passer au comparatif maintenant. Alors là je parle avec le micro du PC portable, donc on va tout de suite l'arrêter. Et entre parenthèses, comme par hasard, aujourd'hui le ventilateur a décidé de se taire, on dirait que c'est fait exprès. Et maintenant on est sur le son du micro. Alors là on entend vraiment bien la différence, je vais enfin pouvoir faire des bonnes vidéos de qualité. Alors, où trouver ce produit, le bras et le micro? Je mettrai le lien dans la description. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires pour me donner tes impressions sur le micro et le reste du matériel. Ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, partage, like et abonne-toi. Voilà, il n'y a plus grand-chose à dire, juste à tourner une prochaine vidéo, enfin avec du son de qualité. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!